Là, bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai démonté le petit moteur de la Bosch. Voilà. Alors, du coup, je vais vous montrer. C'est pas la problématique, hein, mais écoutez bien. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je viens d'en démonter un. J'ai démonté celui-ci, comme on peut voir. Il faut bien regarder le sens qu'on le retire et qu'on le remet. Voilà. Alors, du coup, quand vous faites alors, vous mettez votre doigt au niveau d'ici et vous le tournez doucement. Et vous allez avoir une irrégularité sous le doigt au niveau d'un des deux charbons. Pour le truc qu'il y a, c'est que, comme on peut voir, ça c'est très simple à monter. Tu vois, tu as la petite cosse, tu vois, tu le retires comme ça, et après tu as juste en fait à le faire glisser. Je vais prendre ma petite pince. Là, tu le retires là comme ça. Tu prends, alors ça va pas trop le faire avec une main. Alors, je vais vous en démonter un. Hop. Ouais, c'est bien sûr. Alors, je vais prendre la petite papatte ici que je vais légèrement plier. Hop. Voilà. Alors vous l'avez tac au niveau d'ici, vous le pliez légèrement et vous tirez. Voilà, et vous tirez légèrement avec votre doigt, vous le retirez de son petit logement en faisant bien attention. Voilà. Alors, c'est pas non plus évident. Les systèmes de chez Bosch n'a pas été terrible. Alors, je vais finir de le retirer parce que c'est triplement casse-couille. Voilà. Merci.